Hey, salut tout le monde, c'est Fmika. J'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour le lancement de la toute nouvelle série euh, Carrière joueur sur Football Manager 2016. Alors avant de commencer euh, déjà je voulais vous remercier pour euh, pour euh, ben, pour vos réactions euh, concernant la vidéo où je vous ai annoncé cette idée. Vous avez été super chaud que ce soit au niveau des pouces bleus ou au niveau des commentaires, ça fait vraiment plaisir. Donc euh, dans l'ensemble, enfin dans l'ensemble même la majorité, euh, vous trouvez ça super intéressant comme idée la carrière joueur et, euh, et du coup on va voir ce que ça donne. Je vais me lancer tout de suite. Alors, je voulais juste vous parler avant euh, de la carrière Milan C, Brentford, etc. Ça va arriver, c'est juste que euh, c'est très long de, de tourner les épisodes. Pourquoi Parce qu'il faut que j'avance en fait, tout simplement. Il faut que dès que je tourne un épisode, il faut que j'avance, que j'avance de six mois dans la dans la partie et qu'ensuite je retourne un épisode et du coup, comme j'ai pas beaucoup de temps en ce moment, j'ai pas eu le temps d'avancer la partie tout simplement, mais elle va continuer, ne vous inquiétez pas. Et du coup, j'en profite d'avoir un petit peu euh, un petit peu de temps libre pour maintenant. Euh, on, est, on est mercredi, euh, d'avoir un peu de temps libre aujourd'hui pour tourner la, le début de la série Carrière Joueur sur Football Manager 2016. Alors là, on se retrouve du coup, comme vous le voyez à l'écran, dans l'éditeur parce qu'on va créer le joueur ensemble. Enfin, vous allez me voir le créer donc ça va être un petit peu chiant. Je sais même pas si ça va intéresser des gens de voir ça, mais bon, comme ça, au moins ceux qui veulent créer des joueurs, parce que j'ai vu des messages dans les commentaires de gens qui savaient pas comment faire, etc. Donc ceux qui voudront créer leurs joueurs, euh, ils pourront voir tout simplement avec cette vidéo comment on fait. Euh, après, voilà, je suis pas un spécialiste de l'éditeur, mais je sais à peu près. Euh Comment on peut s'en sortir Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre Je pense que j'ai tout dit. On va partir directement pour le, la création du joueur. Et ensuite, dès que j'aurai fini la création du joueur, on se retrouvera dans le jeu pour voir notre joueur un peu comment il est, etc. Et, et voir un peu l'équipe qu'on va avoir. Alors, pour créer un joueur, déjà, je vais vous présenter tout simplement l'interface de, de l'éditeur. Il euh, n'y a, a rien à faire. Dès que vous lancez l'éditeur, c'est comme ça. La base de données est déjà chargée. Du coup, vous, vous allez ici à gauche, le petit panneau déroulant. Vous allez sur Personne. Ici. Euh, je sais pas si on voit bien la souris. Euh, en bas à droite, il y a ajouter. Joueur. Et voilà, ça y est, on a ajouté un joueur. Il aura une idée unique, etc. etc. Alors, au niveau du prénom et du nom. Bon là, ça va être un peu chiant. Euh, j'ai essayé d'être un peu au roleplay. Parce que je vais, vous, je vais vous dire déjà le club où j'ai envie d'aller. Euh, parce que ça m'a été supposé en commentaire. Et, et ça colle parfaitement avec ce que je veux. Euh, c'est d'aller au, au R.C. Lens. Je pense que je vais aller au RC Lance qui est en Ligue 2. Donc c'est un club de deuxième division. On va pouvoir faire nos armes pour ensuite progresser, donc ça, ça colle parfaitement, et ils ont de bonnes infrastructures de formation et un centre d'entraînement vraiment à la pointe de la technologie on va dire, donc ça colle parfaitement pour l'évolution d'un jeune joueur. Alors au niveau des noms et des prénoms, j'ai cherché les, les noms et les prénoms le plus donnés euh, dans le Pas-de-Calais tout simplement, c'est peut-être con, mais et du coup j'en ai retenu, donc il va s'appeler Lucas, et le nom de famille, Jankowski. Apparemment, Jean Co... Merde. Jankowski, c'est un prénom qui est beaucoup donné euh, au Pas-de-Calais. Je ne sais pas en quelle année, mais, euh, mais du coup, voilà. Et comme ça change un peu, parce que sinon, c'est des euh, Thomas, des... Enfin, des noms un peu basiques. Donc voilà, Lucas Jankowski, c'est plutôt pas mal. Euh, type de non, joueur, ethnicité, un méditerranéen hispanique, non, européen du Nord plutôt, non hein. Non, Méditer... méditerranéen hispanique quand même. Allez. Euh, couleur de cheveux, voilà, bon, c'est des trucs, où on, on s'en bat un peu les hein. vous m'avez compris. Teint de peau. Je le vois pas. Là, il est un peu rosé comme. Il est trop bronzé pour être dans le nord, ça. Passer de soleil. Voilà, c'est bon. <laughs> là, c'est bon. Euh, date de naissance. Alors moi, je vous dis aussi pour créer le joueur, je me suis basé sur les stats et sur euh, sur le joueur Martin Odegaard. Donc c'est le le prodige du Real Madrid. Alors pourquoi je me suis basé sur lui Parce que voilà, c'est un jeune. Il a 16 ans, je crois, dans le jeu. Et il a un potentiel vraiment énorme. Et du coup, on va créer un deuxième Martin Odegaard entre guillemets, un deuxième prodige. Et voilà, on va essayer de... L'autre but, ça va être de... Voilà, de, de le faire progresser au maximum pour qu'il atteigne son plus gros potentiel. Parce que vous allez voir que le potentiel n'est pas quelque chose de fixe. Et il va pouvoir varier entre trucs et trucs en fonction de ses blessures, en fonction de son temps de jeu, en fonction de... des structures d'entraînement auxquelles il a participé, etc. Enfin, il y a plusieurs facteurs. Donc la date de naissance, Martin Hogarth, il faut savoir qu'il est né en 98. Mais en 98, il me semble qu'au début du jeu, il doit avoir 17 ans, du coup, non 16 ou 17 ans. Euh, je sais pas, non, moi j'ai envie de le mettre, faire naître en 99 en fait, pour qu'il soit un peu plus jeune, voilà en 99 je pense qu'en 15 ans il peut quand même jouer, alors la ville de naissance, on va rechercher, donc là on rajoute la ville de naissance, non pas de Calais, en France, il y a aucun problème, nation, il n'est pas anglais, il est français, France, putain ça lag un peu l'éditeur, hein. je pensais pas que c'était aussi chaud. Euh, déclaré pour la nation, on va dire oui, parce que de les l'est aussi. En fait déclaré pour la nation, je vous l'ai en même temps. C'est dès qu'il a deux nationalités, par exemple, il est par exemple français euh, et espagnol. Et quand il est déclaré pour la nation, c'est qu'il a choisi de jouer pour cette nation là. Bon là il a qu'une nation, donc euh, forcément c'est la France. Alors ensuite au niveau du contrat. Contrat du club. Donc le club. On va rechercher. C'est le RC Lance. Si je tape Lance, ça devrait le faire. Racing club de Lance en Ligue 2. Hop un numéro du maillot, euh, un petit numéro 10, mais bon, numéro 10 c'est pas très réaliste. Euh, un numéro que j'aime bien, le 27, ça fait plaisir le 27. Et est-ce qu'il y a un, un joueur qui a le numéro 27 chez eux Ouais, je sais pas trop. Bon, tant pis. Numéro d'équipe préféré, par contre, on va lui dire le numéro 10, parce que ça va être un meneur de jeu. Alors, là ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Au niveau des caractéristiques, en fait, ce que je vous ce que ai fait, c'est que j'ai regardé Martineau de Garde. J'ai pris tous les, toutes les notes. Donc ça il n'y a rien qu'à changer hein. ici dans la préférence d'emploi. C'est tous les mêmes apparemment. Il n'a pas de préférence particulière, Martin Odegaard en tout cas. Donc on va laisser comme ça. Du coup j'ai regardé toutes ces stats de Martin Odegaard. Et j'ai pris tous les points en fait. Donc il faut savoir qu'il a 89 points de caractéristiques dans ce notes là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça fait 10 plus 9. Donc ça fait quasiment 11. Hein. Et oui on a un cerveau ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, bah ça fait limite plus de 11 en fait. Voilà, là il y en a 89 points. Alors adaptabilité c'est pour savoir s'il va bouger, enfin s'il peut bouger beaucoup, etc. Euh, c'est comme le, quand on est entraîneur hein, tout simplement. Est-ce qu'il va mieux s'adapter dans un autre pays et tout C'est pas trop important ça je pense. On va mettre 10 pour l'instant. Donc on a un point en rab. Ambition je pense que c'est assez important. Parce que ça va lui permettre de se pousser à fond, déjà le point on va le mettre là. Euh, polémique, faudra en enlever. Euh, polémique, on va, en mettre, on va mettre 4 je pense. Donc on a 7 points à mettre en plus. Donc là je vais en mettre, j'ai envie d'en mettre plus là. Donc on en a 7 Hop, j'ai envie de faire ça. Euh, putain c'est un peu fouillé. Hein. J'aurais peut-être dû faire les notes avant. Je vais le rajouter là pour voir. Ça fait 15 Parce que le professionnalisme en fait, c'est ce qui va faire que votre entraîneur, euh, votre joueur, pardon, va faire que, va être très euh, très accro au travail en fait qui va être vraiment professionnel dans ce, sa manière de s'entraîner etc et qui va faire qui va faire progresser euh, le plus possible c'est ça ça fait partie des notes cachées les plus importantes le professionnalisme dans, dans ce qui s'agit de la progression d'un joueur tout simplement voilà donc on va partir comme ça donc là normalement il y a tous les points que Martin Notregard a mais on les a adaptés un peu à, à ce que j'avais envie d'avoir donc je suis en train de regarder un petit peu mais je pense que là on est bon donner du joueur alors le nom au maillot ah je savais même pas qu'il y avait un nom au maillot euh, ben Jankowski. Hein. Jankowski. Niveau actuel. Alors là c'est un truc aussi qui change. de euh, garde il a un niveau actuel de 124. Mais je trouve que c'est quand même assez énorme. Mais je sais pas si je dois... Euh, pour l'instant je dirais que je vais suivre son exemple. Mais je vais vous expliquer après. Hop niveau potentiel du coup on va le mettre comme de garde 160 à 190. Et c'est là du coup qu'on voit que le potentiel... On pourrait mettre un potentiel fixe ici. Ou un niveau potentiel, et je préfère ça parce que ça donne une petite part d'incertitude. Ça veut dire qu'en fait, notre joueur, s'il a des blessures, s'il s'entraîne pas bien, s'il joue pas beaucoup, il pourra, il pourra avoir un niveau de 160. Mais s'il joue vraiment beaucoup, qu'il qu enfin, qu a jamais de blessures, qu'il a jamais de pépins, il pourra avoir un niveau de 190. Donc on voit quand même que la marge est quand même assez importante. Donc c'est pas sûr qu'il qu devienne un gros gros joueur, c'est pas sûr du tout. Mais il euh, y a des chances quoi, mais c'est pas sûr du tout. Donc là, on va laisser comme ça. Par contre c'est au niveau de la réputation, Martin Odegaard il a 125, là je vais marquer ce que Martin Odegaard a, 125, 150 et 125, hop pour la réputation, alors Martin Odegaard c'est déjà une... Enfin, une resta quoi, c'est déjà un grand prodige connu dans le monde entier, donc on va pas du tout mettre son... sa réputation, pour un mec qui joue à Lens en Ligue 2, une réputation telle c'est pas possible, euh... donc je pense qu'on va enlever 25 à chaque fois, hein. je sais pas. Donc c'est un mec qui est pas du tout connu. Comme ça au moins il va pouvoir... il va devoir se, se faire connaître à lance etc. Je pense que c'est pas trop mal. Alors lui par contre Martin de Garde il a son pied fort. Il a combien sur son pied fort Il a 20. Et il a 8 sur son mauvais pied donc on va faire comme lui. Alors au niveau du poste maintenant. Je crois que j'ai tout fait. Hein. Donner du joueur, je crois que j'ai tout mis, il y a pas de problème. Ok. Donc c'est un droitier. Au niveau du poste. Alors au niveau du poste il a 89 points. 89 points à mettre Donc ça va être un, mi un milieu offensif centre Donc ça il n'y a aucun problème là-dessus Un milieu offensif centre euh... Est-ce qu'il pourra jouer buteur Est-ce qu'on fait un milieu offensif centre très technique Ou un mec qui percute beaucoup, un peu à la Messi euh, Qui va vite, qui dribble beaucoup Ou alors un truc à la Ozil Un mec un peu euh, organisateur du jeu mmh, Je sais pas trop J'ai envie de le mettre un peu au milieu offensif gauche j'ai envie de mettre un peu milieu offensif gauche parce qu'il est pied droit et moi j'aime bien les attaques intérieurs comme vous savez donc euh, qui puisse savoir être un tant qu'intérieur avec son pied droit j'aime bien euh, pourquoi pas buteur qui puisse se démerder en buteur je sais pas je pense qu'on est bon comme ça on va pas Martin Hoggard a plus de points mais c'est pas vraiment intéressant ça fait il va être excellent en milieu offensif centre il va être naturel en milieu offensif centre très bon en milieu offensif gauche euh, très bon, bon aussi en milieu central correct en milieu droit ouais je pense que c'est bon alors les caractéristiques mentales maintenant. Martin Odegaard a 167 points, donc ça fait 10 points par truc donc, on va quand même, on va mettre tous les 10 points en fait. Hein. Euh, voilà, on va... on va mettre 10 partout, parce que c'est à peu près les stats qu'a Martin Odegaard. plus 3 points après, donc on pourra se permettre de mettre 3 points en plus. Alors, l'agressivité. On va descendre à 8. Ouais. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui est très important déjà en caractéristique mentale L'inspiration leadership je pense que c'est important vision du jeu c'est très important donc l'agressivité on va descendre à 7 et les 3 points on va le mettre en vision du jeu déjà direct hop comme ça on se perd pas ensuite anticipation ouais, déjà je vais enlever tous les points anticipation c'est quand même assez important non agressivité je vais mettre 6 et on va mettre 14 en vision du jeu on va voir hein. là c'est je vous avoue que je tâtonne un peu parce que c'est assez nouveau ce genre de truc j'ai jamais vu de vidéo dans l'éditeur de mec qui créent un joueur donc euh, ça va être très très chiant à garder ça se trouve en fait, il y a tellement de, de points importants que c'est très dur de, de déterminer les points où on va les mettre en fait. Anticipation, c'est pas vraiment important, non On va enlever de deux points. Euh, voilà, il faut bien que je mette des mauvaises notes en fait pour pouvoir monter les autres. Et c'est là que c'est compliqué. C'est qu'il faut que je fasse à l'impasse sur certaines notes pour que les autres soient mieux. Quoi. Euh, vas-y, bon, je pense qu'on va laisser comme ça. Hein. Je pense qu'on va laisser comme ça. Je sais pas comment Marty notre garde à, à ses points de demi. Donc là en fait j'ai privilégié, je vais vous expliquer un peu la détermination parce que ben depuis toujours que je joue à FM on dit que c'est le plus important en fait <laughs> qu'il soit professionnel euh, et déterminé ça c'est tout ça met tout en œuvre en fait pour qu'il devienne un bon joueur et qu'il progresse bien donc euh, j'ai mis 15 en détermination, ensuite 14 en vision du jeu parce que ça va être un, un numéro 10 quand un maestro on va dire, 13 en régularité pour pas qu'il fasse de mauvais matchs, 12 en travail d'équipe en déplacement pour qu'il fasse les bons appels j'imagine etc. qu'il soit assez bon. Dans les matchs importants, bien inspiré. Un courage à 10. Est-ce que je peux descendre un peu, peut-être mettre 9. Et foutre un point quelque part. En prise de décision, peut-être. Un point en décision. T'as 11, je sais pas ce que vous ce que ce que vous en pensez, mais moi 11, j'ai l'impression que c'est la note de merde. Genre t'as 11, c'est. <laughs> c'est pas bien, c'est pas nul, c'est... T'as 11 quoi. T'es là, es... Putain, c'est chiant quand même. Ah c'est dur ce vidéo quand même. Euh... Bon on va rester comme ça, c'est un jeune joueur, on va rester comme ça. On va rester comme ça, il progressera. Ensuite, caractéristique physique. Alors, Martin de Garde, combien de tu es en caractéristique physique 91 points. Ok. Et on a un point en rap. Alors, pour un milieu offensif. Ce qui n'est pas important. Déjà tendance à se blesser, c'est une note cachée. Euh, c'est une note cachée. Et qui va faire plus il est élevé. Genre Gourcuff il doit avoir 20, tu vois le délire. <laughs> Dès que t'as 20, tu te blesses tout le temps. Dès que t'as 1, tu te blesses jamais. Bon, on va mettre, ouais, on va mettre 5. Parce qu'il faut quand même que ce soit réaliste, c'est pas Superman le mec. Il peut se blesser comme tout le monde, donc on va mettre 5. Donc on a 5 points à mettre. Hop, je vais mettre, j'ai envie de mettre 4 en, 14 en qualité physique naturelle. Pourquoi Parce qu'en fait, les qualités physiques naturelles c'est comme le, enfin, comment dire ça S'il a des qualités physiques naturelles, il va progresser au niveau physique, c'est une certitude. Alors que s'il a des qualités physiques naturelles très basses, bah ben, en fait c'est un mec qui est pas vraiment sportif dans l'âme qui est pas. Enfin, est... Il y a des mecs qui, enfin je sais pas, qui, qui sont qui sont balèzes sans rien faire. Enfin, vous... C'est la physionomie de leur corps, tu vois, ils sont comme ça. Donc là avec 14, il, il aura un physique assez imposant, enfin, de base. Euh, beaucoup d'endurance, je pense qu'au milieu, c'est super important de remettre le... les deux points ici, avec le point bonus. Alors, qu'est-ce qu'on peut enlever Qu'est-ce qu'on peut enlever Détente verticale, je pense pas que ce soit utile. On va mettre 6. Donc j'ai 4 points à mettre. Euh, j'ai envie de mettre les deux points en accélération et, et, et vitesse. J'ai envie de mettre ça. Euh, détente verticale, est-ce que je pourrais pas descendre plus encore Parce que si mon de la tête et il a fait 1m76, c'est pas vraiment. Euh... C'est pas vraiment ouf quoi. Est-ce que je pourrais pas enlever un petit peu Limite je mets 4. J'ai encore deux points à mettre et j'ai envie de les mettre en, en endurance. En... Ouais je sais pas. Est-ce que je les mets en endurance En équilibre, agilité c'est quand même important. Je pense. Je pense que l'agilité c'est important. Euh, je pense qu'on est bon, on va rester comme ça. De toute façon, il va progresser. Hein. C'est un jeune joueur, c'est pas non plus. Euh... Il n'est pas au sommet de sa carrière. Je regarde un peu les stats. Voilà, une qualité physique naturelle qui va lui permettre de progresser. Euh, une vitesse, une accélération assez correcte, une puissance. Euh, Aziz, c'est un peu, un peu chiant. Par contre, il a 12 endurance. Donc ça, c'est bon pour tenir les matchs. Euh, l'agilité, ça doit être bon pour les dribbles et tout, j'imagine. 10 en équilibre. Euh, ça, ça veut dire qu'il va tenir sur ses pieds et tout. Je pense qu'on va rester comme ça. On va rester comme ça. Caractéristiques technique maintenant, donc ça va être le plus intéressant, je pense. 189 points, donc là c'est la merde. Là, je vous avoue que c'est la merde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok. Il y en a 15. Donc déjà, ça fait 12 partout en fait. Voilà, 12 partout. Et on a 9 points en rab. Donc on va se rappeler à la fin. Alors. Au corner c'est intéressant d'avoir 12. Euh, les centres. Euh, les centres, moi je suis pas fan de, euh, Je suis pas fan des milieux centraux. Qui sont bon en centre. Donc je vais faire l'impasse là-dessus. Je vais mettre 8. Du coup on a 4 points à mettre ailleurs. Donc les dribbles, je, mets, je rajoute les deux points. Et je vais rajouter 2 points en contrôle de balle aussi. Voilà. Donc ça c'est bon. Ensuite la finition, ok. Les coups francs, j'aime bien avoir un bon joueur de coups francs. Les têtes, c'est pas du tout intéressant. Je vais mettre, euh, je vais mettre 4. Je vais mettre 4, je pense. Du coup, on a 8 points à mettre. On a 8 points à mettre. La finition, on va laisser 12. Les couffrants, j'aime bien avoir un bon jeu de couffrants. Donc, on va mettre 15. Du coup, sur 8 points. Euh, putain, je suis teubé, je suis une merde dans mon truc. Hein. Euh, sur 8, 7, 6, 5, on a 5 points à mettre encore. Euh, touche longue, ça, on s'en fout, mais je vais mettre après. Les passes, c'est intéressant. Hop, encore 3 points à mettre. La technique. T'as m'attendez, je ne l'ai pas changé en fait. Hop Encore un point à mettre. Euh, encore un point à mettre. On va le mettre en. On va le mettre en contrôle de balle. Ok. Alors ensuite, qu'est-ce que quel truc on va enlever Touche longue. Je pense que ça sert à rien. Je vais mettre 6. Du coup j'ai 6 points à mettre encore. On va rajouter euh, 1 là, donc ça fait 5 points. 5 points, on va rajouter peut-être 1 en corner ça fait 4 points on va ajouter 1 à un dribble 4 points ça fait 3 un coup franc ça fait 2 et la technique allez ça va faire 16 Putain, en fait martin de garde il a un nombre de points c'est incroyable euh, marquage ça sert à rien du tout marquage on va mettre 5 on va mettre 5 Putain, en fait ouais ça fait beaucoup de notes hein. Est-ce que j'ai bien noté le, le nombre de caractéristiques techniques qu'il avait Il a 189, si c'est ça. Hein bah, du coup on va pas prendre les 9 points, on va pas prendre les 9 points en plus parce que là il est tellement fort. Enfin, j'ai l'impression qu'il est déjà super fort le joueur. Donc ça va pas la peine. Alors le marquage on va en enlever, on va mettre 6. Du coup on a 6 points encore. Bon je vais en rajouter un tir de loin, allez. Ouais j'ai envie que ce soit très technique quand même. Hop ça fait 5. Ou je pourrais ajouter 5 points. Peut-être 1 en polyvalence, ça fait hop, il nous reste 4 points. 4 points, on va le rajouter. On va le rajouter. On va rajouter 2 ici. Il nous reste 1 point. Et on va le mettre en. en corner. Allez, c'est parti. Ensuite les tacles. Les tacs, ça sert à rien aussi. Donc on va mettre 4. a ouais, quoi que. Quoique tacle, on va mettre 6. Et marquage, on va mettre 4. Donc là, il nous faut aussi 7, 8, 8 points. On va rajouter 1 en technique. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et le dernier on va le, rajouter, on va le rajouter en contrôle de balle. Non. On va le rajouter en polyvalence. Hop, voilà. Donc là je pense qu'on a toutes les notes qu'on veut. Je suis en train de regarder. On est mauvais, on est mauvais en centre, en tête, en touche longue, en marquage et en tacle. Mais on est super bon dans les autres trucs. Bon, là, je pense qu'on est bon. Geste technique préféré. Alors, Martin Odegaard, il en a deux. Euh, Martin Odegaard, il en a deux. Donc, est-ce qu'on en met deux ou on n'en met pas du tout euh, Je sais pas trop. On va peut-être essayer d'en mettre un. Dicte son rythme, ça j'aime bien. Non, je les une deux. Voilà. Attendez, mais là j'ai l'impression que je... c'est très dur de voir si on est aligné. Ouais c'est bon. On va aller, on va mettre quand Martin Odegaard en a deux, gestes techniques, nous on en met qu'un. Et je vais mettre jouer les une-deux. Club favori par contre On va rajouter le Racing Club de Lance en tant que joueur. Et on va le mettre à, à 85, comme Martin Odegaard. Son club formateur, le Storm, je sais pas quoi, euh, il a 85. Et là, notre club préféré. Alors notre club préféré, ça va peut-être nous aider dans pour savoir euh, où aller en fait. Je sais pas si ça a un lien... Est-ce que le club qu'on préfère va vouloir nous acheter plus facilement ou pas Je sais pas. On va dire le Barça. Voilà, on va dire qu'il est supporter du FC Barcelone à 95. il faut savoir que Martin Odegaard est supporter du Liverpool à 95 aussi. Je savais pas qu'il était supporter de Liverpool. Club Profession s'en fout. Historique de jeu. Historique de jeu, on va les rajouter quand même une petite année, genre euh, en 2014. L'ordre 0. Le club. Notre cycle de lance, division. Euh, il devait être en Ligue 2 hein, déjà l'année dernière, donc on va mettre Ligue 2, d'accord ça c'est bon, l'historique maintenant, euh, on va aller rajouter un petit historique, donc on va dire qu'il était à Lens, euh, la date d'adhésion, 2014, ou 2013 on va dire, 2013, euh, la date de départ on ne le sait pas, il était joueur, ok palmarès il n'en a pas et voilà et du coup là on a tous les changements qu'on a fait donc le prénom le nom les stats les, les, les contrats les conneries tout ça c'est les changements qu'on a fait donc on a changé 208 euh, trucs dans le joueur pour le créer donc là normalement c'est fini euh, j'ai l'impression que ça a duré des plombes je, je vais essayer de couper un petit peu je suis désolé surtout que c'est déjà euh, voir un mec dans l'éditeur ça va pas être ouf alors en plus si le mec euh, il met trois heures ça va être un peu chiant euh, mais du coup voilà ça y est c'est fini notre joueur est créé donc maintenant je vais couper ici et je vous retrouve tout de suite pour dans le jeu cette fois dans Football Manager pour voir un peu notre joueur comment il est et pour voir comment il est intégré à... au Racy Club de Lance. Allez, à tout de suite. Et allez, on est de retour cette fois-ci sur le jeu Football Manager 2016. Après avoir terminé notre petit travail sur l'éditeur. Donc c'est bon, j'ai créé ma partie avec le RCLance, avec euh, la base de données qu'on a modifiée. Et du coup, normalement, il devrait y avoir notre joueur. Donc on va regarder ça tout de suite. Dans l'effectif, est-ce qu'il est -ce qu y a... ici Attendez, là je le vois pas du tout. Il est là, Lucas Jankowski, 16 ans, 300 000 euros euh, de valeur, donc il est estimé à 300 000 euros. On va regarder ses stats. Ah, pas mal déjà, il est déjà pas mal. Je vous avoue que j'avais déjà lancé une partie, enfin, avec la, charge, la base de données, et j'avais vu qu'il était trop fort, en fait. Que j'avais mis, en fait, comme Martin Odegaard, donc euh, un niveau actuel de 124, il me semble, comme on l'a vu euh, dans la partie dans l'éditeur. Et, enfin, euh, c'était beaucoup trop fort, tout simplement, du coup, je suis retourné dans l'éditeur. Et j'ai mis une base de données, enfin un niveau actuel à 112 je crois, 110-112. Voilà pour que ce soit un peu plus difficile. Mais il est toujours très fort. Donc en gros, quel genre de, de joueur c'est Est-ce qu'on peut voir déjà au niveau du profil Un meneur de jeu avancé soutien. Un milieu offensif. Donc voilà, c'est un peu en osile -like, quoi. Ah par contre c'est un excellent attaque intérieur. Excellent attaque intérieur. Euh, D'accord. Donc voilà, c'est un mec. Alors il est très très technique. Je pensais pas avoir mis autant en technique. Il a 17 en technique, 16 en coup franc, 16 en dribble, euh, contrôle de balle très très bon, 15 etc. Le, chose, le seul point où il est mauvais c'est les points défensifs tout simplement. Euh, le, phys euh, le physique, physique c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, sans être trop excellent non plus, il est pas très bon en puissance. Mais comme je vous l'ai dit, la qualité physique naturelle va permettre de, de rattraper un peu tout ça. Il a une personnalité professionnelle, puisqu'on a vu qu'on a eu beaucoup de points euh, dans la technique, enfin dans la caractéristique cachée et professionnelle qui va lui permettre de d'être plus euh, comment dire ça bah d'être plus pro tout simplement de, de vraiment s'entraîner à fond et de donner le meilleur de lui-même et du coup ça va lui permettre de progresser plus rapidement la détermination aussi ça va être une stat qui va lui permettre de d'être plus assidu et de, de progresser plus vite donc le, le la personnalité professionnelle couplée à la bonne détermination et la bonne qualité physique naturelle va en faire un joueur qui va naturellement progresser ça c'est une certitude après comme je vous l'ai dit dans la précédente partie qu'on avait tout à l'heure dans l'éditeur il a un potentiel de 160 à 190 comme haute garde, mais ça veut dire que si on le gère mal, il, il peut euh, rester un joueur de 160 et du coup un joueur bon, sans être un joueur excellent, un futur Ballon d'Or. Donc euh, voilà, il a pas un potentiel déjà défini. Ah, par contre il gagne beaucoup par mois, 1500. Peu, peut-être que j'avais 1500 par semaine. Ah ouais, c'est peut-être pour ça. Et du coup voilà, je trouve que là c'est pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais je trouve qu'il n'est pas trop cheaté non plus. Enfin là il est quand même techniquement, il est quand même énorme. Il est quand même énorme techniquement. Voilà, mais il a un mental moyen, il a un physique moyen, une vitesse juste correct. Enfin voilà, c'est un bon jeune quoi. Il y, a, il y a vraiment dans le jeu, je pense vraiment dans le jeu à 16 ans, il y a des joueurs qui sont meilleurs que ça. Donc je pense qu'on n'est pas trop cheaté. On n'est pas trop cheaté. dis moi ce que vous en pensez. Euh, sinon on va voir un petit peu, je voulais voir un petit peu euh, information, est-ce qu'il y a des trucs qu'on a vu Donc voilà, il peut jouer milieu offensif centre, comme on l'a dit naturel. Il est très très bon en milieu offensif gauche comme on l'a vu, il est correct en milieu offensif droit et il est accompli en milieu centre. Donc tout ce qu'on avait vu, une réputation de 25. Voilà, il est connu en France. Principalement, peut-être que la réputation j'aurais dû descendre encore un peu plus. Mais bon, ça va, c'est pas non plus. Euh... Voilà, il est pas connu nationalement et tout. Enfin, il est pas connu dans le monde entier, donc c'est pas trop. Euh... Surnommé le nouveau Michel Platini. Ah ouais, d'accord. Ça fait plutôt plaisir. Alors, nationalité, ça y a rien. Je regarde un peu si on a. Si j'ai raté des choses ou quoi. Euh, hop, l'historique. Est-ce que je peux voir l'historique euh, Hop, du coup, voilà, il est reste en 2014-2015. Il a fait 15 apparitions de but. Et là, on est là aujourd'hui. Voilà, qu'il a quand même un petit historique. J'ai fait en sorte qu'il soit. qu'il soit pas. que ce soit pas un joueur sorti de nulle part, quoi. Que nous dit le rapport C'est un joueur plutôt personnel. Ah, d'accord. Ça, c'est intéressant de voir ce qu'on a fait. Euh... ce que les, les, les gens pensent de lui. Il doit absolument se montrer beaucoup plus travailleur pour espérer progresser. Ah bon Il doit être plus travailleur. Il devrait bénéficier d'un entraînement individuel pour... afin d'améliorer sa vitesse. Sinon, il a une attitude professionnelle. Nous possédons un groupe de joueurs déterminés et Jankowski contribue à un. À l'aise en moins de deux postes, conviendrait parfaitement au style du jeu de Ligue 1. a les moyens de beaucoup progresser, ça c'est normal. C'est un joueur assez régulier, comme on l'a vu, on a mis une bonne note en régularité. Et il a une bonne technique, surtout sur ses frappes de balles. Donc voilà, c'est un peu le. Il est un peu devenu le joueur que j'attendais de lui, dès que je l'ai créé, donc il n'y a pas trop de problème là-dessus. C'est juste le problème au niveau du. du doit absolument beaucoup plus travailler pour espérer progresser, ça se comprend pas trop. Je vous avoue, je comprends pas trop. Et on voit aussi que sa meilleure, vraiment meilleur poste, c'est en milieu offensif gauche. C'est même pas en milieu central. C'est un peu bizarre ça aussi. Hum, d'accord. On va voir Mathias Autré. Parce que moi je trouve justement, regardez ça. On va regarder ses stats. Hop. Je trouve que pour un milieu offensif gauche, il faut qu'il percute plus. Tu vois, il faut que ce soit un mec vif, euh, vif assez rapide, avec un bon physique. Et, et lui il a pas ça. Je sais pas moi je vois plus ce joueur là comme un comme un numéro 10 quoi. C'est un peu bizarre. Mais bon, c'est pas trop trop grave. Euh, du coup est-ce qu'on peut déjà faire un entraînement euh... Voilà déjà c'est bon, on va faire un entraînement classique. Avec de la forme physique élevée. Ça je le ferai après parce qu'on s'en fout un peu. Donc est-ce que je fais déjà un petit statut de l'effectif On regarde un peu l'effectif. Donc est-ce qu'on va jouer en 4 euh, en 4-2-3-1 je pense que oui, par contre, où est-ce qu'on met notre petit Lucas Jankowski euh... Eux ils disent qu'il est super chaud ici. mais Moi je le trouverais meilleur ici en fait, hein, tout simplement. Je le trouve meilleur en, en numéro 10. C'est un peu bizarre. Tiens, on va regarder les stats qui lui manquent en fait. Je vais juste regarder ça. Là je vous avoue qu'avec la partie éditeur qui a duré une demi-heure, je vais, je vais passer très vite sur cette partie là. Et on, on partira en fait. Ça c'est l'épisode 0, c'est l'épisode où on lance un peu le truc, on crée le joueur. Et ensuite, on, va... on partira pour le vrai épisode 1 euh, plus tard, prochainement. Euh, milieu offensif, euh... c'est où, milieu offensif Milieu offensif, attaque. Ok, la décision à anticipation, il n'est pas bon du tout. Sinon, il a tout ce qu'il faut après ailleurs. Bonne technique, etc. D'accord. D'accord. Euh... Alors. Là je vais regarder vite fait hein, tous les meilleurs joueurs qui sont les meilleurs à leur poste, donc Joris Dell. Oui ça c'est un joueur assez connu, je vais regarder un petit peu ses stats rapidement. Ok, c'est pas... Il est pas horrible, horrible. Ensuite, euh, Scaramonizo, Sc Scaramosino. 30 ans. Il était pas allemand ou un truc comme ça Allez, s'il te plaît, putain il était pas allemand c'est enculé. Euh, non, il était pas allemand. Par contre j'ai pas regardé le joueur vite fait. Ok c'est un ouais, c'est un latéral moyen quoi après il a 30 ans donc c'est un peu normal qu'il qu soit pas très très bon. Ensuite Icoco, ça ça me dit un truc Icoco. Il est pas prêté par le Paris Saint-Germain, ok d'accord. Ça c'est pas mal. Très gros physique, bonne vitesse. Après au niveau techniquement il est un peu dégueulasse, mais bon. En Ligue 2, je pense que ça passe. Ensuite, le meilleur défenseur, c'est Belsl. Peut-être que je prononce mal, je ne connais pas du tout l'effectif. Et, ah il y a Loïc Landre aussi, après il faudra que je regarde. Loïc Landre par contre, je suis sûr que c'est Le Mans, on va regarder après. Ok, droitier exclusif, et Baez, il est quoi Il est droitier exclusif aussi, ça c'est un peu chiant. Par contre Baez il est pas mal. Hein. Baez il est pas mal. Et il est où euh, celui que j'ai cherché Landre, Loïc Landre. Ça, ça me dit un truc. Ah c'est pas mal ça. Putain ils sont tous droitiers exclusifs, il est pas Le Mans lui Vas-y va te faire enculer. <laughs> Personne veut jouer à Le Mans là Allez je préfère Loïc le l'endémique, Mais ils sont tous euh, rentiers exclusifs, c'est un peu chiant. Là, je mets juste les meilleurs joueurs. Après, je ferai un truc tout seul. Où je regarderai un petit peu euh, qui est le meilleur, à quel poste, etc. Mais et pour l'instant, voilà, je mets tous les joueurs. Je mets tous les joueurs et on verra après. Je verrai en jouant tout seul. En jouant tout seul, ce que ça donne. Alors, Valdivia. Ça, c'est assez connu quand même. Ok. C'est un profil un peu particulier, bon, assez bon de la tête, bon mental. Il est pas bon, déf pas bon défensivement, pas bon offensivement, c'est un peu chelou comme profil. Euh, Cyprien, je crois que ça c'est un jeune qui, qui a vraiment de l'avenir. Un gros jeune à fort potentiel, 20 ans, ça c'est pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal ça, Willan Cyprien. Euh, Mathias Autré, ça on vient de le voir. Un attaquant intérieur classique. Chavaria. C'est pas mal non plus ça, Chavaria. il est droitier par contre. C'est plus un allié... Et Bakemanga, le Camerounais, pas mal non plus, c'est peut-être un, un pivot, non Vu son physique et son jeu de tête, c'est plus un pivot, voilà, attaque en pivot. Bon, il y a des choses à faire quand même, après je ne vais pas trop regarder. Je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà très longtemps que l'épisode est super long, surtout que 30 minutes dans l'éditeur, ça va être super chiant à regarder, donc euh, ceux qui sont arrivés jusqu'ici, bravo à vous. Du coup, je vais vous quitter en vous montrant Hop, notre joueur. Voilà notre joueur. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de, de ce joueur, etc. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode. Donc, c'est l'épisode 0, c'est l'épisode où je crée le joueur et je lance la série. Et la série sera démarrée vraiment plus tard, dès que je rentrerai l'épisode 1. Alors, quand exactement, je sais pas trop, parce que euh, voilà, je vais vous le dire maintenant, du coup. Euh, je, je sais pas quand je pourrais faire des épisodes, parce que déjà il faut du temps. Et le temps, j'en ai pas trop. Et c'est surtout euh, au niveau de la connexion que j'ai. J'ai un problème de connexion en ce moment. Euh, je sais pas pourquoi, ma connexion est bridée en fait. Et du coup, avant, euh, pour upload une vidéo sur YouTube, pour la mettre sur YouTube, il me fallait à peu près. On va dire entre 10 et 15 heures. Donc déjà c'est un peu chiant, tu vois. Je le faisais la nuit, donc déjà c'est très chiant. Et maintenant, aujourd'hui, en fait, il me faut entre 20 et 24 heures en gros. Il me faut ouais, même plus. Ouais, il me faut entre 20 et 24 heures pour uploader une vidéo sur YouTube. Euh, vu que j'ai une connexion bridée, je sais pas pourquoi. Du coup, voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup moins de vidéos en ce moment, mais c'est pas parce que j'ai pas de motivation, que j'ai plus envie. C'est juste que c'est la crise. Il faut savoir que c'est la crise. Euh, au niveau déjà de, euh, de ma connexion et de mon temps. Mais vous inquiétez pas, ça va arriver. Et, et voilà, du coup, euh, je suis assez content de lancer cette, cette série, Carrière Joueur. Je sais pas trop à quoi s'attendre parce que voilà, on est un peu dans l'inconnu, tout ça ensemble. Ça n'a jamais été fait sur YouTube, il me semble. Euh, voilà, c'est un peu le but aussi d'innover un peu, de changer un peu, de proposer un truc de nouveau. Euh, et du coup, voilà, on est un peu dans l'inconnu. Donc, ça se trouve, ça va être un bit total. Ça va être super chiant à regarder, etc. Mais euh, mais voilà, pour l'instant, on va juste y aller comme ça. De toute façon, si on voit que c'est nul à regarder, tant pis, au moins on aura essayé, on aura tenté un nouveau truc ça passe pas tant pis et, et si ça passe tant mieux voilà du coup merci à tous d'avoir regardé cette, cette vidéo cet épisode euh, n'hésitez pas à mettre comme d'habitude un pouce bleu si, si ça vous a plu et un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et moi je vous dis merci à tous du coup et à la prochaine pour un prochain épisode allez bye tout le monde